Et coucou les loulous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va encore une fois changer de temps et je vais parler comme ça. Alors bienvenue dans cet épisode 8 de Minecraft Hardcore, un nouveau monde. Et du coup vous avez été incroyables, parce que vous avez trouvé la théorie. Mais quelle est la bonne dans tous ces commentaires? Personne ne le saura. Vous le saurez que à la fin de la série. Qu'est-ce qu'on dit? Bravo les abonnés. Désolé pour cette intro, c'est bizarre, c'est très bizarre. Bref, du coup je disais quoi? Franchement, GG à vous. Depuis le début, évidemment, je lis vos commentaires et je vois que vous avez des théories, et dans tout ça il y en a qui sont vraiment passés très proches de la vérité. La vérité est cachée dans vos commentaires, mais écoutez, on va quand même voir ensemble cette fin d'histoire. Bah du coup c'est parti, go à la baston, go découvrir les secrets de l'île, et j'espère que tout va bien se passer. Je vous dis, on va jouer le beau jeu, parce que sur cette chaîne c'est le beau jeu. Voilà, j'ai dû faire un bordel avec mon micro, bref c'est pas grave. Et on va aller laver les bases. On va aller nettoyer un peu tout ça là, parce que c'est bon. Il y en a marre d'être traqué. Oh, tire Toto. Alors, vous allez voir le sniper. Il me fait quoi, lui? Tu me rends là? Tu veux quoi en fait? Bah, parce que vous voyez qu'avec le sniper, ça risque d'être un peu facile. Hein. Tu fais quoi? Paf! Ça dégage. Ça dégage. Ah, là, on va dire qu'on n'est pas dans le bon jeu. Donc, on va essayer le beau jeu. Allez, c'est parti. Déjà, MLG. Paf! MLG. Ensuite, on pose un bloc. On court. Headshot, motherfucker! Et voilà, c'est fini. Ici, il y a quoi d'intéressant? Du charbon, ça peut être intéressant quand même. Quand on veut se faire cuire un truc. Quoique même pas, vas-y, je le pose. Un livre, voilà, c'est bien. Allez, donc on va lire ce livre. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce bon livre? Lettre à remettre au QG. Installation de l'avant-poste nord terminée. Avant-poste opérationnel pour mission de nettoyage de la zone nord. Sécurisation des voies maritimes effectuées. Approvisionnement en vivres et matériel assuré. Perte, 2 hommes tués, 4 désertions. Monte un peu là, monte un peu, je te dis, monte un peu, vous avez pris chier. Bon, on a fini, on a fait le taf, c'est l'heure de la guerre. La guerre contre cette organisation malfaisante qui veut ma mort et qui cache des trucs chelous. Tapis dans l'ombre, tel The Patriot, Mel Gibson, qui rend à fou les Anglais pendant la guerre de sécession. Absolument pas, c'est la guerre d'indépendance, mais c'est pas grave. Je vais faire le taf. Je vais aller d'arbre en arbre. Je vais me cacher. Revenir. Repartir. Mais ils mourront tous. Et c'est parti. C'est parti. Let's go. Let's go. Ouais, je suis pas trop caché là. Ah. Ok, je repars dans les bois. Oh non, non. What? Tu veux quoi toi? Eh, me traque pas comme ça. What? Mais attends, mais il y en a partout là, c'est quoi ce bordel? En vrai, le snipe c'est quand même le plus safe, hein. Je vois pas comment t'en as encore. Ouais, bon, c'est pas le bon jeu, hein. Voilà, je suis bien caché là. What? J'ai plus de balles. Mon armure, elle en est où là? Combat pants, on va réparer. En vrai, c'est pas mal, hein. Je retrouve du stuff. Sur eux. Oh lui, je vais lui faire une décale marocaine. Décale marocaine. Ouais, il m'a défoncé. J'ai plus de vie. Et toi? What? Il m'a repéré de là où il est là? Et par contre, ouais, je pense à une nouvelle stratégie là, parce qu'en vrai. En vrai de vrai. Attends, il vient de me chercher. Non, c'est bon. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il arrive? Nouvelle stratégie de la du quoi, parce que j'ai plus que 11 pommes en or. Hein, j'en avais fait. Mais quoi? Attendez, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais depuis quand il vient me chercher si loin? Et du coup, nouvelle stratégie, parce que, bah, tout simplement, ça va pas tenir, j'ai plus que 11 pommes en or. Et du coup, c'est clairement pas assez. Je peux pas continuer à me fight comme ça, là. Et j'ai peur de mourir aussi, hein, je vais vous le dire. Donc on va faire comme ça. On va faire comme ça. Voilà. Et on va tout simplement les sniper. Comme ça. Voilà. Allez. Ça meurt. On réfléchit, pardon. Incroyable. Voilà, c'est un peu nettoyé là, non? Ah, je viens d'avoir une idée. Attendez, on va tester un truc. En espérant que ça ne mord pas en cacahuète. Ça là, qu'il y avait dans notre base. J'ai pensé, c'est comme une citerne en fait. What? Aïe! Mais what? Mais pourquoi tu me fais ça? Je t'ai fait quoi moi? Aïe! C'est comme une citerne en fait. Du coup, si j'envoie un coup de roquette,
comme ça. Il va y avoir de la lave partout et ils vont mourir en fait. Ils vont brûler, ces chiens de la casse. Et oui, ils brûlent. Non, non, c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Rate pas ton saut, big up. Ils vont tous brûler. Ah ouais, mais je me crois trop dans Fortnite en fait, genre. Je switch d'armes et tout, c'est n'importe quoi, genre. Pas besoin de switcher d'armes dans ce jeu. Je suis un débile, wesh. Décale marocaine, décale marocaine. Ouais, t'es magnifique, t'es magnifique. Incroyable. Bon, après, faut pas les sous-estimer, hein. Ça fait très mal quand ils tirent. La décale marocaine. Voilà, on repart. Je dis ça et j'attaque comme ça, quoi. Je suis vraiment con, quand même. Des moments, je doute. Je doute de moi-même. J'entends marcher là. Oh, il y a du monde ici. Est-ce qu'on peut envoyer un petit coup de roquette là? Voilà, ça va mettre de la lave partout ça. Go la lave. Go tuer tout le monde la lave. On va prendre un peu de stuff. On repart. Ouais, on repart. Wow. Eh, ça fait mal, hein. Oh, la décale marocaine. Oh, la décale marocaine, regardez. Voilà, ça. Il y en a un qui brûle. Ça a marché. Ça a fonctionné. Wow. Bouge, frérot, bouge. Par contre, comment dire que c'est infini. Ça fait 1000 ans que je suis en train de les tuer, là. Ça fait 2 jours, quoi. Wow, me fait tirer dessus, me fait tirer dessus. J'avais pioncé avant qu'il y ait des zombies qui pop et tout là parce que régler les soldats ça suffit hein. Il y en a assez. Alors, on en est où? Là où il y a du monde encore. Allez, ça part, c'est bon là, ça suffit. Ok, là-haut, encore. Heureusement que j'ai ce snipe, mais pour de vrai, heureusement que je l'ai. Hein. Waouh, hey, ça fait mal hein. Ça fait vraiment mal hein. Y'a du monde là-dedans? Ah mais oui, y'a du monde. Attendez, quand y'a du monde. What? Ça va se répandre. What? Ça brûle, y'a tout qui brûle. Top, 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 y'a des coffres là-dedans. Top, 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 top. Y'a tout qui crame. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais, big? Allez, dégage. Ok, bon, on va voir dans les coffres ce qu'il y a. Y'a quoi, là? Un livre ici, on va le sauver. Y'a quoi ici? Y'a que de la merde. Ouais, y'a des pommes. En vrai, ça peut être intéressant, les pommes. C'est quoi, ça? Soldier boost, on s'en fout. Soldier boost, nul. Ok, on casse. Tout qui crame, moi. Oh, là, il y a un coffre aussi. Tac, je prends, on est plus. On va pas tarder, hein. On va pas tarder à... On voit le bout du tunnel. Et oui. Bon, franchement, oui, il n'y en a plus beaucoup, hein. On a fini. On a fini le travail. Ah non, il y en a là. Bon, on va les cramer aussi, hein. J'aime bien la maison qui brûle. En vrai, j'aime bien. Et si je faisais ça? Ouais, ça va les brûler de l'intérieur, quoi. Voilà. Bonne chance. Bonne chance. Voilà, ça. Ouais, ils sont pas contents de brûler, hein. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ouais, ça les a vénères de ouf. Hein. Ça les a vénères de ouf. Bon, non, non. Vite, vite, vite. Hey, y'a un truc là, un livre. Super. On prend. Et quel chrome ça?
Allez, j'abrège ses souffrances. J'abrège. Et toi? Lui, c'est qui? C'est Rambo, lui. Oui, il y a plein de trucs qui tombent. Ouais, mais c'est un peu con parce que je l'ai fait. Il y en a encore ou pas? Bon, allez, tiens. Finito. Je crois que c'est le dernier. Hein. C'était le dernier, en effet. Bon, allez, on va tout cramer maintenant. Yo! Yo! Allez, on fait disparaître l'épreuve. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Ah, il y avait des trucs. Ok, là, il y a quoi? Encore un livre? Alors ça, je pose. Ça, c'est quoi? Combat Pants? Ouais, nul. Hein? Soldier Pants? Soldier Boots? Ok, il y avait rien de spécial. Ouais, tout qui crame. Regardez-moi ça, quoi. Le diable s'est abattu sur ses cons. Non, pardon. Ouais, je sais pas, il y a des moments où je craque un peu. Ça fatigue. Et il y a aussi là un petit truc là, que j'ai pas fait. Je vais aller voir. What? Énergie cell. Ghost rifle. Jetpack. Mais quoi? Missile launcher guided. Avec mon magnifique accent anglais. J'ai un jetpack. J'ai un jetpack. Waouh. What? Eh, par contre, il y a moins de crever là avec ce truc là, non? Ok. Mais c'est trop bien. Par contre, est-ce qu'on peut viser avec? Non, bah, pas trop quoi. Ah, c'est trop bien quoi. Attends, si je me mets en première personne. Ah oui! Mais incroyable! Ah, c'est trop. Mais c'est. Ah, c'est trop trop bien! Ah, je suis. Eh, vraiment, le mode il est top. Hein. Vraiment, le mode il est vraiment top. Les livres. Du coup, les livres, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, je sais pas s'il y a un ordre. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, rapport situationnel. Débarquement OP. Avant-poste OP. Ravitaillement OP. QG OP. Liaison extérieure non OP. Force 17 porte-avions. 5 avant-postes, 1 QG. Menace xénomorphe, dinosaure, mercenaire, infecté, tronçonneur, togmar. Ok. Mission établir avant-poste. Sécuriser l'île 1. Nettoyer île 1. Sécuriser île 2. Nettoyer île 2. Trouver ordre de mission au QG d'Ingen. Ok. Effectuer l'ordre de mission. A savoir, si la mission n'est pas menée à son terme, l'humanité court au désastre. Ah oui, quand même. Vous devez absolument juguler la propagation de ces choses. Il ne doit rester aucun témoin. Soldats comme civils doivent rester et périr sur ces îles. Ce que nous apprenons ici est assez terrible. Ils veulent tuer quand même tout le monde. Tous les soldats qui étaient là, dans tous les cas, bah, ils étaient condamnés à mort. Donc bon, on les a aidés. Attendez, je vais quand même revenir dessus. Menace xénomorphe dinosaure, ok. Quand même, ok. Et effectuer l'ordre de mission aussi. Et trouver le QG d'Ingen. Donc c'est pas fini du tout. Il y a encore quelques trucs à voir, visiblement. Et on va découvrir l'autre ville maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Note à faire parvenir à l'ensemble de la marine. Le susnommé Togmar n'est pas un touriste. Il est armé et dangereux. Il est parvenu à détruire tous nos avant-postes. Eh ouais, les gars, attendez. Patrouiller les océans. Il ne doit pas s'échapper d'ici. Il est parvenu à recueillir toute preuve du déroulé des opérations. S'il parvient à rendre cette affaire publique, je ne saurais imaginer les conséquences que cela aura sur nos carrières. Abattez-le. Un échec de plus, j'ai envie de dire. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Note à l'attention de chaque agent de l'opération Nouveau Monde. Le susnommé Togmar s'est échappé des geôles du porte-avions ZSO. Cet homme détient des informations et peut être considéré comme un ennemi de la nation. Oh, il y a toujours plus. Ordre. Tirer à vue sans sommation. Commandant Flissy. Regardez ça. Résultat. Tous morts. Tous morts, les cons. Les bougres. Tous morts, voilà. Hein. Alors, restez polis. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans ce dernier livre? Règles à suivre sur les îles 1 et 2. Ne jamais sortir la nuit. Ne jamais s'aventurer à plus de 10 mètres de son campement. Toujours soutenir les décisions de sa hiérarchie sous peine de mort. Ah oui. Ils sont quand même énervés. Hein. Ne jamais s'approcher des dinosaures.
tout manquement entraînera un jugement en commercial. Ils sont quand même très énervés dans cette armée-là. Bon, du coup, mais quand même beaucoup de révélations assez importantes. On a vu à travers ces livres et à l'attaque de ce QG, bah déjà que l'île 1, elle est entièrement dévastée, j'ai tué tout le monde. Mais on a vu surtout qu'il y avait un QG d'Ingen, quelque part, qu'ils étaient venus trouver l'ordre de mission. Et ça, bah évidemment, ça doit être sur l'île 2. Ouais, là, il y a l'explosion nucléaire. Du coup, l'île 2, elle est de l'autre côté de là où il y a l'explosion nucléaire. Je suis à l'est de l'île 2. Cette petite île qui est ici, il y a d'autres îles. Il y a visiblement un continent même, avec du sable, le désert, je sais pas trop. Ok. Et je pense qu'on ira voir ça dans le prochain épisode. Hein. Et je crois que je viens de capter un truc, là, il y a un trou en fait. Écoutez, on va y aller. Hein. On va y aller, on va s'armer quand même. On va voir ce qu'il y a dans ce trou. Ce trou à rat. Allez, qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se trame encore ici, là? Le bruit de zombies. Ok. Wow. Hey, il y a comme un bunker, là, hein. Là, on va se mettre le bouclier, parce que contre les zombies, il y a le bouclier. D'accord. Il y a des zombies. Il y a des gens. Il y a un zombie là aussi. Ok, c'est sympa comme endroit. Magnifique comme endroit. Bon, on va aller voir. Hein. Non, j'ai envie de rentrer. Je veux rentrer, voilà. Ok. Oh, mais ça sent l'expérience malfaisante ici. Dites-moi. Expérience maléfique. Oh, lui, il a une sale gueule, lui, hein. Toi, t'as une sale gueule, mon pote. Regarde-moi. Regarde-moi. Ok. C'est un militaire, ici. Ils ont vraiment des sales gueules, hein. Il y a un enfant. Mais c'est horrible. Là, on dirait Michael Jackson. C'est normal, ça? Il y a Michael Jackson, ici. Ok. Là, il y a... Ouais. Vas-y, il y a pas de fenêtre, ici. Bon, il est inoffensif. Et là, il y a des gens. Deux personnes. Des villageois, probablement. Assez horrible, hein. Ah, il y a des trucs, écrits là. Alors lui là, lui il a écrit sujet 1, alpha jus, transformation J4 après infection. Il s'est transformé 4 jours après l'infection, mais ils font des tests sur les gens. Mais c'est horrible, c'est trop horrible. Sujet Frost G, transformation J2 après infection. Sujet 3, jour 1, transformation H2 après infection. Oh, joie. Il a été transformé 2 heures après son infection, joie. Ça a été rapide. Hein. Alors c'est qui Michael Jackson? Sujet 4. Pixis petit P. Un texto. Transformation J1 après, un jour après infection lui. Ok. Sujet 5. Evan Lulu. Transformation 3 jours après infection. Regarde-moi toi. Oh, merde. Pardon. Pardon Evan Lulu. Ok. Sujet 6 et 7. Là, c'est des villageois quoi. Bastion Ganymède. Infection prévue. Avec sujet 5. Ah bon bah voilà. Plus d'infection déjà. Et là, il y a des têtes. Oh, lui, il est énervé, lui. C'est incroyable, cet endroit. Il est magnifique, hein. Designé, mais d'une façon assez... assez incroyable, j'ai envie de dire. Bon, alors, qu'est-ce que... D'accord. Là, il y a quoi? Il y a des fœtus. Il y a des fœtus de dinosaures. Il y a écrit quoi, là? Je sais qu'il y a un moyen pour zoomer. Ingen. Ah, mais c'est écrit là aussi. Là, il y a une île. Quoi, ça? On dirait Isla Sorna, hein. Ok. Et là, il y a des trucs écrits. Isla Sorna. Ah non, c'est pas Isla Sorna. Ok. Il y a des trucs un peu partout. Ah, mais on peut cliquer sur les. Attends, là, il y a une porte. Oh, je suis un peu bordélique. Là, il y a une porte aussi. Il y a quoi? Ok, je comprends. Je commence à comprendre là, ce qui se passe ici. Ils ont fait venir des saloperies là. Les petites bêtes. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans là? Incubateur. Il y a rien du tout. Cleaning station, il y a que dalle. Ingen Triceratops. Oh, des livres. Nous avons enfin réussi à mettre la main sur une de ces fichues créatures. Mon Dieu, qu'elles sont laides. Nous avons donc construit spécialement ce laboratoire pour les étudier sur place. Évitons de ramener ces choses sur le continent. La situation à l'extérieur semble déraper. Chaque nuit, j'entends des coups de feu. C'est la guerre ici. J'espère juste que les militaires parviendront à contenir ces choses le temps que mes recherches aboutissent. Le sujet zéro a été enfermé dans une salle sécurisée. Nous allons juste l'observer quelques jours dans un premier temps. Les premières observations démontrent une agressivité extraordinaire de la chose. Il semblerait que l'animal enfermé ici soit en train de nidifier. Cela impliquerait que cette nouvelle espèce puisse être classée dans les hermaphrodites séquentielles. Elle change de sexe et n'a donc besoin d'aucun partenaire pour se reproduire. Comme Godzilla. Godzilla, il fait ça aussi. Change de sexe et il pond des œufs tout seul. Godzilla de 2001 hein, avec Nikitatopoulos et tout ça. Alors, un autre livre. L'observation du sujet zéro a dû être stoppée en urgence.
Après 5 jours, la chose a commencé à se reproduire. Il devenait trop dangereux de la garder ici. Le sujet zéro a donc été neutralisé. Les militaires envoyés ici sont parvenus à sécuriser l'île 1. L'île 2 reste toujours hors contrôle. Il paraît que c'est l'enfer là-bas. Les morts se comptent par centaines. Mais tout ça fait mes affaires. Durant les combats, les spécimens tués me sont envoyés. Même si ceux-ci se décomposent très vite, il est tout de même possible d'en tirer quelque chose. Rien ! Ces bestioles ne répondent pas aux lois de la biologie connue. Elles sont composées d'acide. Mon matériel ne résiste pas lors de leur dissection. Je vais devoir opérer différemment. Donc du coup, c'est là que ça a été placé, le sujet zéro. Et ouais, du coup, c'est parti en cacahuète, encore une fois. Mais arrêtez-vous. Arrêtez-vous de faire de la merde. Bon, ok, bon, bah... Il y a quand même pas mal d'informations ici. Hein. Oh, un livre. Il y en a un qui est en train de mourir, là. Hein. Deux zombies. Alors, qu'est-ce qu'on dit, là? Merveilleux! Je sais enfin comment faire pour étudier ce qui se déroule ici. Des sujets humains infectés par les créatures. Ah bah bravo. Ceux-ci ne sont pas composés d'acide et l'agent pathogène reste présent en eux. Ah bah c'est génial celui-là. Il sera aisé de trouver un nombre important de sujets. Entre les déserteurs qui sont ramenés ici, les soldats infectés et le village qui est juste à côté, les cobayes ne manquent pas. Le réel problème, c'est que la situation se dégrade fortement ici. Un homme du nom de Togar, ou je sais plus trop comment, a été repéré non loin d'ici. Togmar, s'il vous plaît. Il paraît qu'à lui tout seul, il est parvenu à détruire l'ensemble des avant-postes de l'île 1. C'est quoi ce type? D'où est-ce qu'il vient? Qui est-il? J'apprends qu'il a même fait exploser un porte-avions avec une tête nucléaire. Mais c'est un grand malade. Bon, il faut que j'accélère mes recherches. Je vais envoyer une équipe me chercher des patients. Patients, ouais, bon, d'accord. Comment ça s'appelle? DNA Combinator. C'est pour combiner les ADN, ce truc-là. MJ Extracteur. DNA Séquenceur. Ah ouais, tu m'étonnes. Ils ont tout le setup. Ah, y'a quoi, là? Embryon, classification machine. Feeder, microscope. Livre à plume. L'analyse ADN des sujets 1, 2, 3, 4 et 5 donne exactement les mêmes résultats. Ils ont une structure semblable à celle des humains normaux, mais une partie de leur ADN se restructure de façon surprenante. Il ne semble pas y avoir de logique dans la durée entre l'infection et la transformation. Pour le moment, l'incubation du virus, si on peut appeler ça comme ça, oscille entre 2 heures pour le sujet 3 et 4 jours pour le sujet 1. D'accord. Merci de ces informations, c'est gentil. Peut-on dire que la transformation survient nécessairement avant le 5e jour? On le verra bien avec les sujets 6 et 7. Ah ouais, eux, la pression, les pauvres, ils étaient enfermés, quoi. Les pauvres, on va les libérer d'ailleurs. Attendez, libération. Hein. Sortez. Voilà. Allez, sortez de là. Ouais, je vous libère. Vous êtes libres. Bon, ils s'en foutent. Hein. Une autre observation intéressante au niveau cellulaire peut être décrite dans ce journal. Les cellules des sujets semblent être mortes. Celles-ci n'opèrent plus et ne réalisent donc plus leurs fonctions. On peut donc conclure que les sujets sont morts. Mais vivant à la fois. Donc, d'accord, très bien. Il y a des seringues. Oh. Raccommodage encore. Et encore un petit livre. Qu'est-ce qu'on nous dit? En disséquant le crâne de plusieurs soldats infectés et abattus, les conclusions sur l'état de mort-vivant des sujets peuvent être validées. Effectivement, le cerveau semble comme pourri. Les connexions neuronales, quant à elles, sont éteintes avant même la transformation. Tout ça ne me dit rien qui vaille. L'agent pathogène responsable de la transformation semble être extrêmement contagieux. Il faut absolument contenir tout ça sur ces îles. Si par malheur le virus parvient à s'échapper, qu'adviendra-t-il de notre monde? Un monde sans conscience, avec des êtres humains qui n'en sont plus vraiment, morts et vivants à la fois. Une enveloppe, mais plus d'âme. Une indifférence généralisée aux souffrances des autres. En fait, ça changerait pas grand-chose. Petite pique... au monde qui nous entoure. Il faut que je reprenne mes esprits et que je continue à chercher. Mais chercher quoi? Ok, encore un livre ici. Très bien. Le mécanisme de contamination. Voilà ce qu'il me faut comprendre. Comment l'agent pathogène se transmet et comment il infecte tout l'organisme. Ce que j'ai pu observer, c'est que la transmission se fait par morsure entre les créatures, les infectés et les sujets sains. J'ai aussi pu observer que la transmission pouvait s'opérer d'une autre manière. Mais je n'ai pas encore trouvé comment. Les sujets 6 et 7 seront des cobayes parfaits pour cette nouvelle expérience. Je vais juste les laisser ici longtemps, sans les mettre en contact direct avec les infectés. On verra bien ce qui se passe. S'ils se transforment aussi, nous avons un très gros problème. Cela signifierait que la contamination peut s'effectuer par aérosol. Oh, on connaît ça. Pour le moment, rien ne se passe. En revanche, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Aïe. Cela fait déjà un jour que les sujets 6 et 7 sont ici. Mais toujours rien. Personnellement, les nausées de la veille se sont amplifiées aujourd'hui. Je commence à avoir peur de devenir comme eux. Au moindre soupçon, je pourrais devenir le 8e sujet. Beaucoup de scientifiques envient ma place ici. Je pense que c'est fini pour moi. Je pense aussi que l'argent peut se transmettre.
Docteur Noé. Bon, Docteur Noé nous a bien renseigné, hein. Y a plus rien là, c'est fini. Bah non, c'est fini. Bon, écoutez, je pense qu'on va mettre un terme à ces expériences. C'est pas possible, c'est trop sale déjà, ça. Docteur Noé, what? Docteur Noé, il a dit que... Qu'est-ce qu'il a dit, Docteur Noé? Qu'il fallait pas que ça sorte d'ici, alors Docteur Noé, on va l'écouter. Voilà. Et eux, dans le doute, je suis désolé. Dans le doute où ils étaient infectés. Attendez, ils peuvent pas retourner à la vie normale, hein. C'est fini, là. On en a vraiment appris beaucoup, quand même, dans cet épisode. Vraiment, on sent que ça se rapproche de la fin de la série. Il est certain qu'il y a eu des modifications génétiques apportées sur des trucs. Et c'est parti en cacahuète. Et l'armée est venue ici pour régler tout ça. Reste à trouver, comme je le disais tout à l'heure, l'île 2, le QG d'Ingen et l'ordre de mission pour lequel ils sont venus. Ça doit être important s'il y a tout ça, s'il y a 17 porte-avions. Donc l'objectif du prochain épisode, bah, ça va tout simplement être ça. Ça va être de trouver tout ce qu'il faut trouver pour enfin mettre terme aux horreurs qui se déroulent ici. Bah, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Il y a, je pense, un, voire grand maximum, deux derniers épisodes. Donc si vous avez apprécié, faites-le savoir par un petit pouce bleu, par un petit commentaire où vous dites, voilà, ce que vous imaginez, ce que va être cet ordre de mission. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est... Mais tous tout le monde est...